Certaines choses nous dépassent. Ça se... Garde ça pour la route. Pirater ces machines, je dois savoir d'où elles viennent. Difficile de différencier les traces. Ce sont celles de Tame et d'un sanglier. Pas de marque. Qu'est-ce qu'il a ? Il a une chose dans la gorge. Voyons voir. Oh, on dirait l'anneau de Tame. On sait jamais, ça peut servir.
Je garde ça pour plus tard. Bonne viande. Okay.
dois me préparer. Attention. Je fais des réserves. Taille du démon. Ce sera plus difficile que je le pensais. Tu te demandes jamais à quoi ça pouvait ressembler? À l'époque des anciens? Tu n'es pas comme les autres, Nora. On me le dit tout le temps. Chef Sona, nos hommes ont trouvé des camps ennemis dans les ruines, sur le chemin menant à l'anneau de métal. Alors on doit s'occuper de ces camps en premier, pour qu'ils ne sonnent pas l'alerte. Très bien. On vide les camps, et nos ennemis dans l'anneau de métal ne verront rien venir. Je vais désactiver les alarmes. Envoyons des braves dans chaque camp, tapis dans l'ombre. Tu commenceras, ils finiront. Thank you.
Ça m'aidera. Finissons-en. Pour la toute mère. Le bruissement des feuilles me réconforte. J'en aurais sûrement besoin.
Concentrez-vous. Revenez ici pour vous battre. Tu ne représentes personne. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Moi qui aime voyager léger. Je ne suis pas là. Oh!
Quelque chose par là. Ce sera sûrement utile. Je vais mettre ça de côté.
Le ciel est plus dégagé. C'est bon. Les camps ne sont plus un problème. Direction l'anneau de métal. Ces hauts remparts protègent l'ennemi. On devra escalader sous les tirs, si jamais nous sommes repérés. Attends, j'ai une autre idée. Leur base a une faiblesse. Je vais y aller seule et en tirer parti. Si ça fonctionne, je provoquerai une explosion qui créera un trou assez grand pour que vous puissiez passer. Ça me va très bien, à condition que je t'accompagne. Une chef de guerre accepte avec gratitude deux flèches impatientes de jaillir de l'arc. Oui, Varl. Accompagne Aloy pour l'assister, mais... sois prudent. Oui, chef Sona. Je le serai. Allez-y. Nous attendons votre signal. Tu m'as suivi jusque-là, même dans les ruines. Tu es censé me faire confiance? C'est vrai, mais comment sais-tu que cette base a une faiblesse? Patience, Varl. Tu comprendras bientôt. Prends ma main. Seule une droite est pour toi.
plus que deux. Prends celui de gauche. Là. Tu vois cet abri couvert? À l'œil, tu vois ces corrupteurs? Du calme, Varl. L'abri est rempli de flambées, toute la réserve du camp. Si je l'embrase, l'explosion détruira les corrupteurs et fera s'écrouler le mur. Une brèche pour que les Nora puissent charger. Mais je l'attendrai pas d'ici. Il faut qu'on se rapproche. Moi, je vais y aller. Fais demi-tour, explique tout à Sona et guide-les de ce côté de l'anneau. Je m'en occupe. Et quand le mur s'écroulera, je serai le premier dans la brèche. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Si je peux rester silencieuse, ce sera bien plus simple. Je dois atteindre la flambée au plus vite. Je dois m'occuper de cette flambée, et vite! Je dois pouvoir toucher la flambée d'ici. Thank you.
Toute mère admire notre victoire. La dette de vengeance est payée. Souvenez-vous de ce jour, brave Nora. De vos lèvres aux oreilles de la déesse. Oui, souvenez-vous-en. Soyez prêts à quitter cet endroit. Laissez vos lances et flèches dans les corps de vos ennemis. Elles sont souillées comme le sont ces ruines. C'est fini. Ils pourront plus sévir. Les tueurs, la corruption, ils font partie d'un mystère que je veux découvrir. Où que mène ce chemin, j'irai. Tu es une guerrière douée, Aloy. Rost t'a bien formée. Tu le connaissais ? Dans une autre vie. Et assez pour savoir que c'était un homme bon. Mais alors, pourquoi on l'a banni ? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? J'aimerais pouvoir te le dire. Mais seuls les hautes matriarches connaissent toute cette histoire. Il paraît. Bon, il faut que je me mette en route. Merci, Aloy. Que la Toute-Mère bénisse ton chemin, où que celui-ci te mène. Tu ne vas pas rentrer avec nous, pas vrai ? Je ne crois pas, non. Je suis contente que tu aies pu faire ce que tu voulais, Varl, mais moi, non. Pas encore. Bon, je sais que tu dois partir. Tu es chercheuse, après tout. Mais si tu repasses un jour par ici... Eh bien quoi ? Ça me ferait plaisir de te voir, c'est tout. On va se regrouper à la couronne de la mer. Je t'y croiserai peut-être ? Peut-être bien. À très bientôt. Je saurais quoi en faire. C'est déjà plein.
la préparerai plus tard. Je vais garder ça pour la route. La terre a soif de pluie. Moi, pas trop. Mieux à faire. Je suis toujours vivant. Je fais partie des chansons.
La chasse a été bonne ? J'ai des peaux de sanglier et ton anneau porte-bonheur, Taïm. Loué soit la toute mère. Et toi aussi, bien sûr. Mais où l'as-tu trouvé ? Dans le gosier d'un sanglier. Lui, il a pas eu de chance. Je crois que je vais le porter en collier maintenant. Chef Sona, tu as décidé de renforcer les défenses ? Si la tribu doit affronter une autre attaque du démon de métal, nous devons être préparés. Mais bon, ça ne te concerne pas, tu n'es pas sous mes ordres. Mais ça ne m'empêche pas de vous aider. Très bien. Il nous faut des cornes filantes. Elles font de la givre lymphe. Et nous avons aussi besoin de leurs lentilles. J'ai de la givre lymphe. Parfait. Avec la glace et le feu, nous repousserons les machines. Il ne manque plus que la lentille de corne filante. On peut en trouver à l'ouest d'ici. Il faut aussi que les tours de guet aient des réserves de flèches d'alerte. Apporte celle-ci à la tour d'Orne au sud. Si tu veux bien. J'espère que tu comptes acheter. J'ai besoin d'éclat. Quelque chose te plaît ? Je n'en doute pas. Bon, je m'en vais. Je te souhaite de prospérer. Merci, moi aussi.